Et bien bonjour à tous les amis, c'est Moustache et aujourd'hui on se retrouve dans du Puppet pour le chapitre 5, donc c'est parti, on y go. Là du coup pour l'instant on est dans le chapitre 1, mais j'ai trop hâte de le découvrir ce nouveau chapitre, j'ai tellement trop hâte. Bon en tout cas là on a rien du tout, je sais même pas, est-ce qu'ils ont enlevé, oh il n'y a plus que la clé blanche, hop voilà on se casse. Ça c'est un chapitre rapide dès le début. Bon c'est parti, c'est la librairie, donc on va choisir, bah écoutez, un joueur, hein, ce sera déjà pas mal j'ai envie de dire pour commencer, pour essayer de s'échapper parce qu'on est même pas sûr de pouvoir y arriver. Mais j'ai trop hâte de voir la cinématique, j'ai trop hâte de voir la suite parce que du coup la dernière fois on était parti en bateau avec l'ours qui nous aidait en fait, enfin qu'on devait aider plutôt. Parce que on avait fait une expérience sur lui, donc cool, alors attends. Enfin on est arrivé à la ville. Où c'est qu'on va maintenant? Ok, donc on est parti à la ville maintenant. On a besoin de savoir pourquoi les scientifiques ont fait ça, t'ont fait ça. La librairie serait un bon endroit pour commencer. Ok, donc je suppose qu'on va faire des recherches en fait sur les scientifiques, c'est ça? J'ai un mauvais pressentiment à propos de cet endroit. Putain, il y a un truc que je veux voir. Il y a trois trucs, c'est ça, à désactiver en gros. Switch off, 1, 2, 3, ouais, c'est ça. Alors, on va essayer de passer par là, ok. Alors, ok, c'est immense. Je suis mini-moïse à côté. Mais plus sérieusement, ouais, non, elle est cool, la map. Elle est super cool. Je suis désolée, hein, je suis un peu dans mes pensées, parce qu'en même temps, je suis en train de regarder un petit peu la map. Oh, il y a déjà le flingue. Sérieusement. Eh bah, écoute, vas-y, on va charger le flingue, hein. Attends, hop là, nickel. Comme ça, s'il y a Puppet, et bah direct on lui tire dessus. Bah tiens. Hop là, ça c'est fait. Dès le début, mais je savais même pas que tu pouvais avoir l'arme direct dès le début comme ça. Oh, on peut monter? Ah non, oh dommage. Alors attends, on a la clé bleue. Ouais, je sais pas pourquoi je vais par là. Je sais même pas où c'est que c'est la clé bleue. Ah, on peut aller par là. Oh, trop cool. Oh, je penserais pas qu'on pourrait monter tout en haut. Oh, c'est délire. Par contre, vraiment, la map, elle est immense. Alors là, je crois que c'est une clé bleu ciel qu'il faut. Je pense pas que ma clé bio fonctionne. Ouais, non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, on va faire le tour un petit peu. En même temps, ça me permet de voir s'il n'y a pas d'autres items, etc. Non, j'ai pas besoin de me baisser. Non, j'ai pas besoin. Là, on a la clé rose. Ok. Bon, moi, on sait qu'elle est là. Est-ce qu'il y aurait une autre porte par là? J'ai pas l'impression qu'il y ait une autre porte. Je pense qu'après, je vais redescendre. On va quand même essayer d'aller tout droit. Oh, il y a des écrans là-bas. Là, est-ce qu'il y aurait une porte? Là, il nous faut un livre vert. Et après, je pense que je fais le tour. Bon, écoutez, on va aller dans cette salle parce que du coup, ça m'intrigue un petit peu. Il y a plein d'écrans. Oh, on a la clé orange. La clé orange, je sais que c'est pour tout en bas. Donc, au moins, je le sais. Là, on a le livre bleu pour tout en bas parce qu'en haut, c'est un livre vert. On a la clé rouge. Ok. Bon bah écoutez, on va aller tout en bas. Et on va voir... Ah, Puppet est là, on se casse. On va déverrouiller en bas. Ah mais attends, mais il y a cette salle aussi ici. Oh, oh, je crois que Puppet est juste ici. J'avais pas vu qu'il y avait cette salle. Ok, ou alors quelqu'un avait pris la clé bleu ciel et que c'était la clé bleu ciel, je crois, pour déverrouiller ici. Ouais, je crois que c'est ça, c'est là où il y avait besoin de la clé bleu ciel. On se casse. Oh la vache. Oh, c'était chaud, hein. Puppet me suit, merde. Yo suis dans la merde. C'est pas grave, on peut y arriver. Allez, Puppet va pas réussir à nous avoir. On part par là. Donc là c'est ici le livre bleu, donc j'irai le prendre après. La clé orange, elle était où? Enfin la porte orange, je crois qu'elle était par là, non? Ah c'était là, ouais, voilà, nickel. Hop. Qu'est-ce qu'on aurait ici? Est-ce qu'on aurait un item, quelque chose? On a rien du tout, je me sens losée parce que de toute façon, bah yeah. On a rien. Oh non, la loose. Bon, c'est pas grave, on va prendre le livre bleu. Si Puppet n'est pas là, on va prendre le livre bleu. Je l'entends tuer, mais... Je sais pas où est Puppet. Bon, allez, on remonte. Si mes souvenirs sont bons, c'est dans l'espèce de salle de contrôle, tout en haut, là, tout au bout. Donc, on y go.
C'est bon, j'ai le livre bleu, maintenant on n'a plus qu'à aller tout en bas. Je me demande en fait ce que ça fait. Est-ce qu'il faut attendre de mettre tous les livres dans la bibliothèque pour que ça fasse quelque chose, genre apparaître la clé blanche? Ou est-ce que ça va nous donner des items au fur et à mesure? C'est genre tu mets un livre bleu, ça te donne un item, le livre vert, ça te donne un item. Parce qu'en fait, je me dis, il n'y a pas vraiment de clé blanche, parce qu'il faut que des clés à molette pour désactiver le truc, ou alors c'est après qu'on a besoin de la clé blanche, tu vas me dire. En tout cas, le mec, il est parti, du coup, c'est un bot qui l'a remplacé. Viens, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Oh, ah, ça ouvre ici, ok! Donc maintenant, il nous faut la clé à molette. Alors, je sais qu'en haut, il y avait la clé rose. Mais je sais pas si elle a déjà été utilisée. On va quand même faire le tour, parce que je me dis, ça se trouve, il va y avoir une porte rose quelque part. Donc on n'a pas le choix de regarder là. Sûrement qu'on monte par l'autre côté, non? Je sais pas. Ou alors on va arriver à un autre endroit. Tu vas me dire, ça se peut aussi. Pour l'instant, ça me dit rien. Là, il y a un code. Je sais pas si c'est normal. Je le prends, hein, on ne sait jamais. Je vais essayer d'aller vers les ascenseurs parce que je me... Enfin, les espèces d'ascenseurs, enfin, les trucs là, à déverrouiller. Parce que je me demande s'il n'y aurait pas un code à mettre. Ok, là, il nous faut la clé jaune. Là, c'est un cul-de-sac. Donc, attends. Que je me repère. Oh, il a la clé jaune. Attends, je vais voir où c'est que ça mène. Attends, on va voir, on va voir. Ça mène dans cette petite... Ah, bah c'est pour ça, cool! On a la clé blanche. Et... Attends que je trouve où c'est qu'ils sont les trucs là, les kikuyu. Je crois que c'est par là. Il me semble. Oh yes! Oh ça veut dire qu'on va direct s'échapper. Oh ça va, il était assez simple le chapitre. Oh ça passe. Alors ce nouvel article dit qu'il y a des... quelques meurtriers. Ça doit être les pupettes qui sont après toi. Seulement une personne a pu échapper à cette attaque. Alfred M. Il est dans une condition critique à l'hôpital. Je me demande qui c'est le Alfred. On a besoin de lui parler. Peut-être qui sait qui est derrière tout ça. Ouais, donc en gros, on va aller le rechercher et tout. Oh la vache. Ce que je me demande quand même, les amis, c'est est-ce que Alfred, c'est l'équivalent de Mr. Potato? Parce que je me dis, ça se trouve, en fait, c'est Alfred qui a voulu créer tout ça. Et du coup, en fait, ça a créé des espèces de puppets ou j'en sais rien. Et sûrement qu'ils ont fait une expérience scientifique sur l'ours pour essayer de le transformer en puppet ou j'en sais rien. Enfin, je sais pas. Je sais pas si ça peut être un truc aussi tordu. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mais je sais pas, je me pose la question de qui est Alfred. Parce que je trouve ça quand même assez intriguant là qu'on parle d'Alfred comme ça d'un coup. Donc bon après tu vas me dire mes suppositions peuvent être nulles à chier hein, mais mais faut réfléchir à tout hein. Je pense que voilà on peut pas... Enfin je pense qu'il faut vraiment voir toutes les théories entre guillemets de ce qui peut se passer etc. Dans tous les cas on a Beer qui a pris plein la tronche, ça c'est clair. Donc la clé rouge c'est pour ici, la clé rouge je sais que maintenant c'est pour là-bas. Là on a le livre rouge donc c'est pour en bas aussi je l'ai vu. La clé verte. Ouais, bah en fait j'ai pas le choix de redescendre en bas je crois. Enfin je sais plus la clé verte elle est où déjà. On va faire le tour quand même. Bon il y a peut-être juste là je vais faire gaffe. Ok c'est bon. C'est bon c'est bon. Je ne vois pas pour l'instant où j'aurais besoin de la clé verte. Ok, Pépette est ici. Pépette est ici, allez, on se casse. On se casse, on se casse. On va fermer. Ah, pendant 2 secondes, j'ai cru que j'étais buggée, tu vois, dans la porte. Oh putain, c'est un cul-de-sac. Vaut mieux pas que j'y reste. Je vais partir par là. Bon, ça se trouve, il y a une autre chose aussi, c'est que la clé verte, ça se trouve, elle a déjà été utilisée, que je suis en train de marcher comme une bécasse, mais bon, je venais d'ouvrir le truc rouge, donc non, c'est pas possible. Ou alors, c'est pour un coffre. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Là, je suis paumée. On va voir parce que ça se trouve, c'est même dans cette pièce. Ça se peut aussi, étant donné que quelqu'un a ouvert avec la clé rose. Et... Bah, non. Non, pas du tout. Mais où est-ce que j'en ai besoin de ces clés vertes? T'as même des pièges en lévitation. Attends, on va essayer d'en prendre un. J'avais juste envie de me taper le délire. Désolé, les amis, mais... Je vais juste voir comment ça allait faire. Bon, ça fait comme si je l'évitais, quoi. Enfin, bon, tu vas me dire, c'était pas non plus une surprise, hein. Bon, j'avais envie de me taper le délire. Bon, on va aller chercher directement où c'est que...
Qu'on aurait besoin de cette foutue clé, je ne sais pas. C'était sous mes yeux. Mais c'était sous mes yeux que j'en avais besoin. Et il est là, le code, et il y a la clé à molette. Oh, la loose. Mais comment j'ai fait pour me foirer autant, quoi? Ça peut pas être monsieur ou pas? Attends. On va aller là, hop. Pepette va sûrement partir. Ah non, Pepette est ici. Je tente le tout pour le tout. Allez, 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 allez. Faut que je mette le code dans le... dans le coffre. Donc je tente le tout pour le tout. Mon Pepette t'as pas l'air de voir me suivre. Tu vas me dire si c'est un abonné. C'est normal. Ils me suivent pas généralement les abonnés. Vous êtes trop mignons pour ça. D'ailleurs je fais un bisou à tous les abonnés qui sont avec moi en partie. Parce que vous êtes nombreux. Donc je vous fais un gros gros bisou. Là on a la clé blanche. Mais avant de ça on a besoin de la clé molette. Parce que sinon ça sert à rien de prendre la clé blanche. Étant donné que... on a besoin de déverrouiller. Alors attends, je vais passer par là. Oh ça va, c'est un peu pas gentil. Cool. Vous êtes trop mignons. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, le puppet, c'est Pichoun, donc je lui fais de gros bisous. Mais attends, c'est où déjà les trucs à déverrouiller? Je sais qu'il y en a un là-bas, mais il me semble qu'il y en avait un deuxième à l'étage. Non? Ah bah non? Puisque t'as besoin du livre rouge et du livre blanc en bas, donc non, il y en a qu'un à l'étage, ok. Il y en a qu'un, par contre, il nous faut absolument le... Enfin, il faut absolument qu'on ouvre les autres trucs. Ah! Bah c'est même pas ouvert, merde. Bon allez, c'est le dernier truc à désactiver. Hop là, nickel. Comme ça, on n'a plus qu'à prendre la clé blanche et à se casser. Bon, il reste vraiment plus beaucoup de temps, mais là, je pense que pour le coup, on peut s'échapper. Alors, attends, je vais passer par là. Faut que je retrouve le truc du milieu qui doit être par là, je crois. Si mes souvenirs sont bons, ouais, nickel. Et on n'a plus qu'à aller vers la porte et logiquement... Logiquement, ça suffit. Oh, il nous manque le marteau, non! Non! Il nous manque ce foutu marteau! Non! Emprisonné à vie! Suicide! Bon, eh bien, écoutez, les amis, on va s'arrêter là sur cet épisode de Puppet. Donc, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine! Bye bye!